Profitant de son séjour à Fizi dans le Sud Kivu, la ministre du Portefeuille et secrétaire exécutive nationale du PPRD a visité le nouveau bureau dont elle a doté le PPRD, son parti à Baraka. Moment fort de cette cérémonie, la réception par le camarade Munga d'un échantillon de fiches de ex-opposants qui se sont ralliés au Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie grâce aux actions menées par la fondation Louise Munga. Par l'entremise de M. Pene Moussimboa, chef de file des ex-membres de l'UDPS, ces nouveaux adhérents ont fait le rapport de leur sensibilisation auprès de leurs anciens camarades de l'opposition pour les convaincre à rejoindre les rangs du PPRD. Des propos qui ont permis à Louise Munga de faire le diagnostic de la santé de son parti dans ces coins du pays. La santé du PPRD, elle est bonne. Je m'en réjouis parce que vous venez de suivre les messages du représentant de l'UDPS. Comme vous le savez, en 2011, l'opposition était fortement dominante dans les territoires difficiles. Mais maintenant, grâce aux efforts que nous faisons, grâce aux actions que nous menons dans les cas du développement, les amis, les frères, les sœurs qui étaient à l'UDPS ont décidé de rejoindre le PPRD. Répondant à l'appel au dialogue lancé par le chef de l'État, les militants du PPRD Fizi Uvira ont affirmé leur soutien à ces assises qu'ils considèrent comme le seul moyen pouvant aider les Congolais à régler leurs différends afin de baliser le chemin d'un processus électoral apaisé. Cette femme de poigne a également réuni les militants du PPRD Uvira avant de retourner à Bukavu.